sokile baby mosa la na yango eko beba kaya longo ma. Ma. Eko gito zana na bongo ya makasi pona lokumu ya mboka e. Oso reza ele mbongo yango ne termometre ya ekonomi ya mboka na yo. Eko gito zala na bongo ya makasi tolende ya franc. Allez, bonjour artiste. Bonjour. Alors, très heureux, il y a Okutayo, Zako, n'habitez pas, peindre, tout ça. Oui. Ouais, voilà. J'aimerais bien que vous vous présentiez d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent partout dans le monde. On vous appelle comment? Et vous sortez d'où? Vous étiez comment formé? Et par qui? Et voilà, et on continue. Ça, c'est la télévision PDM TV. Ok, moi je suis Jovias Baou. Je suis artiste peintre. Oui. Mais dans une large, je suis artiste visuel. Parce que je ne peins pas seulement, je dessine aussi avec d'autres médiums. Ok. Je suis de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait mes études à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. C'est là où j'ai appris à maîtriser la matière et à comprendre les enjeux de l'art, de la peinture. Ah, ça c'est bien. Et votre papa, il s'appelle comment? Mon père s'appelle José Baou. Ok. Et lui, il est animateur culturel au Centre Wallonie-Bruxelles. Ok. Et ses germes d'autres artistes viennent de mon père. Ah, ça c'est bien. Donc ça, c'est, je dirais que c'est familial ou encore comment? Ah, oui, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, parce qu'on a beaucoup d'artistes dans la famille. Yes. Donc dans la famille restreinte, je suis là avec mon père, mais la famille élargie, nous sommes un peu nombreux. Ok. Donc c'est vraiment familial, ce don-là de talent d'artiste. Vous êtes quantième de la famille, vous? Je suis l'aîné. L'aîné? Ouais. Ah, ce n'est que normal quand même. Je suis l'aîné de la famille. Voilà. Alors, vous êtes de quelle province, vous? Je suis du Congo central, mais j'aime plus être congolais. Congolais. Parce que... Mais quand même, c'est votre origine quand même. Hein? Oui. Ah voilà. Alors, l'idée vous est venue comment? C'était votre papa qui vous a obligé de devenir artiste ou bien ça vient de vous-même? L'idée, c'est que l'art, en quelque sorte, c'est un talent inné en moi. Yes. Et mon père l'a découvert dès le bas âge. Mm-hmm. Et quand il a compris que j'avais... Tellement qu'il est dedans. Oui, comme il a compris ça depuis longtemps, il a commencé à me donner comme cadeau, comme jouet, c'était les crayons de couleur et les crayons. Vous orientez, disons. Il m'a orienté. J'ai pas eu le temps de jouer avec le poupée, avec le jouet, les soldats. Moi, c'était les crayons et les crayons de couleur, le papier. Tout à fait. Et c'est par là qu'il m'a orienté aussi pour les humanités artistiques. Yes. Je fais l'Institut de Beaux-Arts. Mm-hmm. Et après, je poursuis jusqu'à l'Académie de Beaux-Arts. Abba en sigle. Abba en sigle. Voilà. Alors, maintenant, vous vous sentez mieux dans ça? Ah oui, hein, je me sens mieux parce que je suis déjà dans la profession. Je finis l'académie depuis 2015. Mm-hmm. Donc, il y a cela déjà 6 ans que je suis dans la profession et ça évolue petit à petit. Petit à petit. Ouais. Alors, il y a quelques œuvres déjà réalisées par vous et... je dirais des grandes dimensions, si vous voulez que je dise ainsi. Oui, j'ai des grandes œuvres qui sont déjà réalisées et j'en ai aussi dans mon atelier. Ah, ok. Au fur et à mesure, vous allez voir cela. Ah, ça c'est bien. Okay. Alors, nous allons quand même, dans quelques minutes, on va faire un petit tour, là. Et permettez-moi de vous demander que votre idole, c'est qui ? Dans tout ça, bien que c'est un don familial ou encore inné, oui, mais quand même, vous aimez également ce que faisait une personne, votre aîné, votre ami,
Voilà. J'ai beaucoup d'idoles dans ce domaine. Ah bon? Mon père. Beaucoup d'idoles. Oui. En commençant par? Mon père qui est mon mentor. Yes. Et à part lui, dans le domaine de la peinture, j'aimais bien et j'aimerais bien être comme Roger Botembe. Ah, Roger Botembe. C'est lui qui est mon plus grand idole. Ok. Et le professeur Dicky Songele. Ah, Dicky Songele. Je l'aime bien parce que cette diction-là, yeah, la manière de parler, la manière d'expliquer, d'expliquer ça, la chose, ça m'en veut d'être comme lui. Waouh. Alors que ce sont les deux grands, mm-hmm, que j'ai eu le temps de côtoyer et de me donner un peu beaucoup d'idées, mm-hmm, à devenir un artiste. Ce sont les deux idoles que j'aime bien. Pensant de lui, ça vous donne un esprit créatif vous arrive quand même. Bien sûr, parce qu'avec sa manière de peindre, comme les styles qu'il faisait, les transsymbolismes, ça nous ramène à l'authenticité africaine. Ah, d'accord. Et comme moi, je suis dans cette logique d'idées, mm-hmm, et je m'inspire vraiment en lui et dans sa manière de créer, ça me rend vraiment indépendante de faire revivre à la société contemporaine qui nous sommes de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, dans notre histoire congolais ou africaine. Vous racontez l'histoire en faisant la peinture? Oui, c'est-à-dire que la plupart de mes œuvres d'art parlent plus de mon histoire étant que congolais, étant que... Africain. Africain. Yes. Ah, ça c'est bien. Moi je pensais que vous vous inspirez plus ailleurs. Vous êtes congolais, vous êtes africain, mais vous avez connu plus l'histoire européenne, asiatique, américaine. Oui, on a été un peu colonisé même dans l'éducation. Yes. Parce qu'on a plus eu à avoir l'opportunité de savoir plus des Européens, des Américains, mais pas pour nous les Congolais, mm-hmm, ou les Africains. Voilà. J'ai fait de mon mieux dans mon travail de forger. Yes. Et de faire en sorte que la population qui va voir mes œuvres comprenne que nous avons aussi notre propre histoire. Qu'aucune personne ne va écrire à notre place. Mm-hmm. Et c'est vraiment ce que je fais dans mon travail, de pousser les gens à faire le travail et de promouvoir notre propre culture qui est tellement riche, mais qui n'est pas exploitée. Voilà, donc c'est-à-dire vous encourager ou encore vous rappeler aux gens d'accomplir valablement les paroles ou la parole dite par le premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur Emery Lumumba. Donc seul Congolais doit écrire son propre histoire. Oui. Oh. Je fais de mon mieux pour apporter aussi ma pierre dans cet édifice. Ah d'accord, ça c'est bien. Alors, devant vous, qu'est-ce que vous faites? Je fais un portrait, une commande qui me l'a donnée. Une personne me l'a conviée à faire une femme. Mm-hmm. Je fais cette femme en âme. Alors que je rends mon âme dans cette œuvre-là. Ah, vous donnez la vie? Oui. Ah, voilà. Quand même, la personne en question a un nom. Mais on va plus. Je connais pas son nom. C'est une commande. Voilà. Alors, ça c'est. Vous disiez que c'est un portrait. Oui. Un portrait. Oui. D'une personne. Alors, que conseillerez-vous aux autres jeunes artistes peintres qui viennent? Je conseillerais, je dirais que nous avons un long chemin. Mm-hmm. Nous devons construire notre propre histoire. Il ne faudrait pas se laisser distraire par de futilités et de polémiques inutiles. Donc, le conflit de génération nous emporte rien. À ne pas forger, à ne pas travailler dans notre domaine. Ça contribue à rien. Et je me donne à dire à tout le monde, travaillons, donnons ce qui est plus important et ce que nous avons plus, c'est la créativité, la peinture que nous avons comme don. Voilà. Avant de finir, oui, quelles difficultés vous rencontrez dans ce métier? Il y en a tellement nombreux que mais je veux juste résumer qu'on a un problème d'une politique culturelle. Yes. Donc notre pays n'a pas vraiment une politique culturelle qui peut aider les artistes à se mettre à leur place, à leur peau. Donc s'il y a une politique culturelle, tout ce que nous avons besoin, ça viendra après. Les institutions, le galerie, les musées, les marchés d'art, tout ça serait mieux quand il y a une politique culturelle. Comme il n'y en a pas,
on a des difficultés. On a des cadres, des artistes qui expirent après une année. Et tout ça, ce sont des difficultés. Parce voilà, voilà. On n'a pas une politique culturelle. Donc, on doit faire en sorte que cette politique, les députés que nous avons votés, fassent leur travail d'avoir notre propre loi qui nous régisse en tant qu'artiste. Yes. Et on sera protégé. Ah, donc, si je comprends bien, vous dites que vous n'êtes pas protégé. Nous ne sommes pas protégés parce qu'aujourd'hui, je peux poster une œuvre sur Facebook. Mm-hmm. Je ne sais pas comment protéger mon œuvre d'art. Aïe, aïe, aïe. Et l'État en question ne fait pas aussi des efforts pour nous protéger. C'est pour cela qu'on a plus de buzz ailleurs, mais on ne profite pas de ça ici en RDC. Yes. Donc on attend qu'un blanc vienne pour acheter nos œuvres, mais nous-mêmes les Congolais, nous. Vous, on ne les consomme pas. On ne les consomme pas. Aïe, aïe, aïe. Et même le ministre des titelles ne vous invite jamais? Malheureusement, on n'a pas eu cette opportunité alors que d'être invité par le ministre parce que la culture et art pensent plus que l'art se résume qu'à la musique et au théâtre. Pas tellement le théâtre, les séries télévisées, les cinémas qui passent à la télé. Il est dramatique, tout ça. On a du mal à reconnaître les gens qui écrivent des livres, des écrivains, des poètes, des architectes, des peintres, des sculpteurs, des céramistes, des bijoutiers, des modélistes. On a du mal à nous reconnaître, nous, parce que ce n'est pas vraiment trop rentable, parce qu'eux, ils ne savent pas comment rentabiliser cette partie de l'art et de la culture. Avez-vous quelque chose, quelque stratégie pour... disons, de leur donner quand même. Donne-leur une stratégie, comment faire pour rentabiliser quand même la chose. Pour rentabiliser, il faudrait d'abord changer notre manière de l'éducation. Donc il faudrait intégrer la culture et l'art dans notre éducation. Il faudrait dès le bas âge que l'enfant comprenne la valeur et l'importance de l'art et de la culture. Mmh. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va comprendre que je dois avoir un tableau dans ma maison, je dois écouter une bonne musique, je dois aller suivre un spectacle, je dois aller au cinéma. C'est-à-dire que ça doit être maintenant ancré dans notre manière de vivre, notre culture. Mmh. Et c'est maintenant qu'il faudrait changer d'abord l'éducation et commencer à promouvoir les artistes. C'est-à-dire que donner-leur l'opportunité, le moyen qu'il faut pour qu'ils démontrent ce qu'ils ont le plus. Leur savoir. Ah, ça c'est bien. Et ça c'est bien. Alors, on va regarder ce que tu es en train de faire, hein. Okay. Quand même. Je vous laisse travailler. Mais quelques coucous quand même, avant de vous laisser travailler. Je salue ma mère. Yes. Ma mère Vesté, Majesté, bon, mon petit frère. Je salue Joyce, je salue mes amis, les artistes, le collectif Tokéi. Je salue Place Essi et Simbi, là où je suis membre d'un centre culturel. Donc yes. Je salue tout le monde qui me connaisse. Essi et Simbi, non, oui. Allez, maman Véronique également, donc on la salue quand même. Merci. Merci infiniment. Allez, bon boulot, Yaya. Merci.